Mène dans la table du dimanche, Pierre-Yves Chupin vous fait découvrir la gastronomie du terroir à l'ambassade d'Auvergne dans le 3e arrondissement de Paris. Tout ce qui est servi dans ce restaurant est estampillé Made in Auvergne. Bonjour, il y a de moins en moins d'adresses à Paris qui sont dédiées au terroir ou à nos jolies provinces. Heureusement, l'Auvergne a la chance d'avoir encore une ambassade. Ça s'appelle l'ambassade d'Auvergne. Un nouveau propriétaire est en train de revoir cette gastronomie qui va bien avec le froid de saison. Donc rendez-vous à la table de l'Auvergne. Toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens. C'est bientôt l'heure du déjeuner, il y a beaucoup d'odeurs en cuisine, ça sent vraiment très très bon. Une cuisine ancienne parce que la maison date de 1966 et même je crois avant il y a des archives comme quoi c'était un restaurant qui existe depuis très longtemps à Paris. J'entends l'aligot qui est en train de se préparer, on va déguster l'aligot. Toi l'Auvergnat. Bonjour chef. Alors, je crois que vous préparez un grand classique auvergnat, l'aligot. L'aligot, oui. Alors quel type de fromage vous utilisez? Alors nous on utilise de la tomme fraîche de l'Aubrac, au lait cru. On peut trouver aussi de la tomme fraîche de Salers, mais nous on utilise la tomme fraîche de l'Aubrac, au lait cru. Alors faut... ça sent, hein? Ça sent l'ail aussi. Oui, oui, oui. Alors on va mettre donc un petit peu de tomme fraîche, une pointe d'ail, sel et poivre. Donc tout doucement, délicatement, on le travaille. Bien intentionné, s'amuser à me voir jeûner. Et hop, on obtient un joli fil. Les anciens appellent ça le fil de l'amitié. C'est quand même un plat généreux et convivial. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand festin. Superbe. Alors voilà l'agneau de lait de l'Aveyron. Alors moi je trouve ça formidable quand le spectacle est aussi dans la salle et c'est vrai que dans cette ambassade d'Auvergne, le service de l'aligot réjouit toute la salle. Bon, il y a des odeurs d'aligot, c'est spectaculaire, c'est généreux et l'agneau d'Auvergne là qui est parfaitement cuit, rosé, un jus réduit qui a l'air d'être très sympathique. Alors là tout semble bien. Tout semble même très bon. La viande est fondante. Et l'aligot, il faut goûter l'aligot, parce que ça va très bien avec. L'Auvergne est à Paris, avec tous les honneurs que l'Auvergne mérite. Bravo à cette ambassade. Et c'est vraiment une cuisine de saison qui est parfaite.